Tu vois, là, il me dit les commentaires apparaîtront. Tu veux dire qu'on est en live? Et on a Carole qui nous rejoint. Bonjour, oh, Carole. Carole, les fidèles, Carole. Allez, je coupe le son. Bonjour, Marie. Françoise aussi avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour Eliane qui nous regarde. Angela. Bonjour Angela. Hello Nathalie. Marie Collet Sergent qui nous dit hello les filles. Oh Karine qui avance bien sur sa broderie blanche. Hein. J'ai vu, c'est plutôt régulier. Hein. Salut Carole. Isabelle, bonjour. Et oui, hein, t'as vu Karine, plus on pratique et plus c'est joli. Oh, des insectes, ouais, on s'est dit qu'on allait faire un bzzz. Oh, Mylène qui nous regarde. Bonjour Mylène. Bonjour, bonjour. Hello Françoise. Hello, hello, hello à tout le monde. Salut Fabienne. Sylvie qui nous regarde. Bonjour Sylvie. Bonjour Nathalie. Il y a du monde là déjà. Hello Aurore. Coralie qui nous regarde. Bonjour Coralie. Hello, hello Muriel. Ah, Dominique, elle nous met un petit smiley avec des étoiles. Bon, ben, bonjour Martine. Je pensais que j'aurais les commentaires, mais j'ai encore pas les commentaires. T'as pas les commentaires, c'est dingue. Et si tu cliques dessus, ça fait quoi? Bah en fait, je vois les gens qui se connectent, mais ouais, je vois pas les commentaires. Et je peux pas cliquer nulle part, là. Ça, c'est embêtant, en fait. Parce qu'après, quand ouais, je prends la chiant. Main, moi, je les vois plus, les commentaires. Salut, Cathy. J'ai eu Cathy au téléphone. Ah, Mélina, salut. Cathy qui va venir à notre stage bien-être à la Bégude. On est en train d'avancer sur le stage. Oh, cet arbre de vie d'été me fait de l'œil. Bah, et puis, Karine, maintenant, les points de remplissage n'ont plus de secret pour toi après le cours. Hein. Ah là là. Allez, et ben alors là, on va se lancer. On est déjà une trentaine sur ce live. Ouais, et bah, donc, je finis mon dernier petit rouleau. Voilà. Alors là, on est en plein préparatif pour notre départ à Nantes. Donc, ouais, voilà à peu près l'état de l'atelier. Ouais. Et encore, on a un petit peu rangé. Et alors, tu fais quoi, Christelle? Eh bien, en fait, j'ai trouvé des super beaux tissus pour broder, pour faire des petits supports. Et on les prépare pour Nantes, tu vois. Regarde, là, j'ai... ça, c'est de la gaze de coton avec des petites paillettes. C'est trop, trop joli. Là, j'ai des lins... Tiens, on en a de près qu'on les voit. Tiens, regarde. Ouais, on a du bleu aussi. Enfin, on en a plein. Donc, on va bientôt les mettre sur le site, là. Et bah on s'est amusé avec Karim, c'était dimanche, là, après le cours, à les couper, à couper toutes les toiles. Et Karim m'a aidé à les plier. Et trop joli, j'attends ma commande, nous dit. Et puis bah là, maintenant, bah juste avant de partir, on met une petite étiquette quoi, pour que ce soit joli. Donc on a, tu vois, des lins beaucoup plus rustiques ici. C'est ça. Ça, ouais, c'est trop, trop beau, ça aussi. Et j'ai brodé là tout le week-end. Estoy preparando la feria de Nantes. Et comment on dit, j'ai acheté. Compro muchas nuevas telas para bordar. Ouais, ouais, ils sont trop beaux. Et on ira, tiens, tu fais juste un petit aperçu vite fait, c'est top secret ça. Hein, mais, ouais. Je les ai brodés et Christelle, elle a carburé toute la semaine. Ouais, tu veux dire, ouais, tout ce début de semaine. Et voyez, on a brodé, alors, ouais, ils sont là, ça c'est des petits lins que j'ai utilisés. Puis on a aussi brodé avec les nouvelles laines. Alors c'est ça, on nous le demande pas mal. Donc là voilà le résultat par exemple avec la laine. Alors on le voit pas forcément l'effet du fteux là sur la vidéo. On nous dit qu'ils sont super ces tissus. Ouais, on fait des coupons de 50 par 70. Bonjour Tati Cerise.
Et vraiment, avec les Easy Custo, c'est top. Hein. Moi, j'ai utilisé des planches d'Easy Custo et des petits bouts aussi. Et ça, c'est notre planche Jeannette, par exemple. Tout ça, toutes les fleurs que je suis en train de vous montrer tiens, sur celui-là. Donc, avec une planche et deux, trois coupons de tissu, vous allez pouvoir faire plein de cadeaux à tout le monde. C'est trop cool. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. C'est trop, trop beau. Et puis, on va bosser sur... certainement sur des sacs. Là, je suis hyper inspirée en ce moment par tout ça. Voilà, voilà. Et c'est important qu'on puisse avoir des petits échantillons brodés pour vous les montrer au salon, hein, pour vous donner envie, hein, tout simplement. Puis surtout, vous montrer ce qu'on peut faire avec des toiles qui sont un peu différentes. Hein. Voilà. Oui, j'ai bien bossé, Karine. Ouais, voilà. Alors, nous, aujourd'hui, on se voit pour parler des insectes, c'est ça, Marion ? Oui, c'est ça, les insectes. Alors, on a notre collection d'insectes, mais vous allez voir que des petits insectes, Christelle, elle en glisse de plus en plus un petit peu partout. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je dis tout le temps, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça. alors, on commence par lequel ? Donc, ahora hablamos de insectos, se dice ? A mí me gusta ver muchos modelos con insectos. Et vamos a ver cada modelo, por cada modelo. C'est ça comme on dit en espagnol, c'est bon. Hein. C'est parce qu'on pense à Barbara. C'est ça, tout à fait. C'est ça, pienso a Barbara. alors, on attaque par quoi, Marion ? On va prendre nos petits insectes classiques. Allez, notre collection d'insectes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que... Ah, vous partez quand ? On part lundi après-midi. Donc, ces petits insectes, donc la libellule, ils sont... on vous les propose, c'est dans la collection Easy Custo. Alors, d'abord, c'est la collection Apicolors. Ah, pas Easy Custo, voilà. Apicolors. Qui permet de l'encadrer dans un cercle de 15 cm. C'est ça. Bonjour Jacqueline, Nathalie et Patrick. Donc, ce sont des ouvrages qui sont de niveau débutant. Oui, débutant, intermédiaire quand même, parce qu'il y a pas mal de fils métalliques, non ? Ouais, mais ouais, maintenant, avec une aiguille numéro 5, c'est comme pour la laine, là, hein, ça se passe plutôt bien, on le sait, hein, des fils métalliques, encore une fois, on coupe le fil en 20-30 cm, on peut utiliser de la cire si on a besoin, et voilà, c'est vrai que c'est pas tout aussi agréable que de broder avec du moulinet, mais on arrive vraiment à faire des jolies choses, ça donne un effet de lumière. Salut Anne-Laure Larcher. Ah, Anne-Laure, ta commande a été livrée chez Karine. Tu vas pouvoir avancer sur ton chemin de table, même si tu as beaucoup de retard, j'ai vu. Il n'y a jamais de retard. Ah, mais si, elle se met la pression. Mais non, on n'est pas en retard, on se fait plaisir. Alors, notre petite abeille, je crois que c'est ma favorite, l'abeille avec... Ouais, avec la libellule. Donc ici, des petits points de bouclette, repoints de bouclette. On n'a pas de remplissage, hein. Du petit bouclette, de la petite roue festonnée. Alors, ce point-là, tu vois, je l'utilise très peu. C'est le point de corail. Voilà. Mais encore une fois, si on n'y arrive pas, on peut le changer avec un point de tige. On peut faire tout plein de choses. Hein. Le résultat est tellement beau, nous dit Carole. Ben ouais, c'est pour ça que je les mets, moi, ces fils. Hein. Et puis, ben, maintenant qu'on va avoir nos fils de laine, hein, la laine, on va aussi pouvoir amener une autre texture, ajouter une autre texture à nos ouvrages. Salut Claudine, qui nous dit bonjour. Etinou, j'adore. C'est prévu dans les prochaines réalisations, nous dit-on. En retard, mais pas grave, il sera fini pour 2025. Ben oui, Anne-Laure. Salut Hélène, bonjour Anne-Marie. Ben nous aussi, on est contente de vous retrouver. Salut Sylvie. Oh là là, il y a du monde aujourd'hui. Alors, Odillon, le grillon. Ouais, voilà. Celui-là, il a un petit peu plus de remplissage. Bah, tu vois, en fait, c'est là que j'ai commencé le remplissage. On avait commencé à broder celui-ci avec Manon. Et on s'est dit, allez, on va mettre plein de petits points. Tu te souviens de Manon de ça ? Ouais. Et on avait fait du remplissage au point de nœud. Salut Arletty de Carcassonne. Et du coup, voilà, là, on est juste avec des petits points de nœud avec deux tours. Tu vois, là, il y a du point de poste aussi. Ouais. Moi, je les fais très serrés après mes points de nœud. Si vous voulez, vous les très serrés, il faut, une fois que vous avez tourné votre aiguille, bien abaisser le fil sur la toile. Diro que para hacer punto de nudo muy cerco, es importante de tirar fuerte en el hilo cuando se va en la tela. Tu vois, Marion, ce que je veux dire? Oui, oui.
Donc, voilà, trop contente de vous entendre. À très vite à Nantes. Et bah ouais, Hélène, à Nantes, on a la pression, nous, pour Nantes. Hein. Donc, on part à Nantes... Nous, on part lundi. On installe notre stand. On fait la route en 2 jours, là, lundi, mardi. C'est on ça. Installe tout mardi pour vous retrouver mercredi à Nantes, au Parc des Expositions. Ouais, dire OK. Vamos à Nantes, lunes. Vamos a hacer el viaje en 2 días. Y vamos a instalar la feria el martes. Et después la feria qui est appelée ça à miércoles. De miércoles à sábado. 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 C'est ça. Et on a le cours samedi. Hein. Non, vendredi. On a juste un jour de cours. Salut Evelyne. Alors là, on a fait notre petit tour des insectes. Mais alors, cette collection, elle est un peu particulière, les insectes, parce que donc elle existe dans la collection Apicolors, mais vous la retrouvez aussi en Easy Custo. Vous les retrouvez tous en Easy Custo. Ils sont tous en insectes. Easy Custo. Ouais. Ah, je ne savais pas qu'on les avait tous faits. Ah, Hélène, elle vient jeudi nous voir. Trop, trop bien. Et donc, bah voilà, regardez votre petit sac de plage. Hop, un petit insecte dessus. Donc, l'Easy Custo, hein, vous en achetez de plus en plus. Hein. Le dessin est sur une toile qui est auto-adhésive. Vous la collez sur le support de votre choix. Vous brodez, vous trempez dans l'eau. Et puis voilà quoi, ça vous permet de customiser des jolis accessoires ou votre veste en jean. Enfin voilà, on le répète, mais il y a toujours des nouvelles dames qui nous suivent, donc c'est sympa de le savoir. Donc là, il n'y a pas de commentaires pour l'instant. Donc c'est tout bon la collection oui. Easy Custo. Ouais, et du coup, les insectes, tu les as déclinés aussi, juste les petits insectes sont tout petits. C'est ça. Hey, hey. Alors celle-là, elle a du succès. Ah Manon, elle a du succès. Ah ouais, sur les salons, on est toujours en rupture de stock. On est obligé de demander à avoir des colis de réassort. De réassort, on en a pris assez pour Nantes. Je crois qu'on en a pris au moins 17 ou 20. 17 ou 20, bon, j'espère que ça suffira. On dirait que j'ai plus de commentaires, moi aussi, les filles. Mais envoyez-moi un petit commentaire pour voir. Ah, je vois qu'Odile nous regarde. Donc, tu vois, cette collection, Marion, en fait, il y a beaucoup de remplissage. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, mais ils sont tout petits. Donc, vous voyez, à côté de mon doigt. Ils sont presque taille réelle, quasiment, on pourrait dire. Ouais, c'est ça, on les voit bien du là. Du coup, y a, et pour vous exercer au remplissage, par exemple, ça peut être un super exercice parce que c'est quand même un tout petit projet qui se finit rapidement. Ouais. Allô, Nathalie, je viens d'avoir ma commande, je vous appelle demain, nous dit Mylène. Demain, Manon ne sera pas là. Donc, et le standard est fermé cet après-midi. Et cet après-midi, oui. Ça va pas être possible, là, Mylène. Je pense qu'il faudra attendre. Oui, on a le téléphone demain après. Ah oui, mais Manon. Ouais. On va voir. Essayez peut-être demain après-midi, mais Marion sera seule, là. Avec les départs en salon, c'est un peu chaud les marrons. Hein. Anne-Laure nous dit c'est sympa, mais pas trop, elle aime pas trop les insectes. Eh oui, salut Audrey. Bah oui, hein, c'est pour ça que tout je monde fais pas le modèle. Tout le monde n'aime pas. Voilà, et donc, tu vois ce que je disais, c'est là, on a fait des petits points de nœuds en un fil, par exemple. Alors, j'avais pour idée de faire une grande araignée et puis un papillon aussi. Le papillon, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait bien l'avoir. Ouais. Donc, il faut que je me mette dessus. Là, je suis sur l'arbre de vie de Noël. On n'est pas du tout dans les insectes. Dans les insectes. Mais donc, voilà. Il y a plutôt des petites oies pour moi. Ouais. Ah oui, j'ai fait une oie dans mon arbre. Manon, elle me dit, mais ça ne va pas du tout une oie dans l'arbre de Noël. L'oie, on la mange, moi, on ne la visite pas. Ouais, ça, oui, c'est ça que tu as dit. Dijo que estoy trabajando en el árbol de Navidad. Un papillon, oui, on adore les papillons. Alors regardez, ça c'est notre petit carnet de... On n'a pas pris le carnet. Oh là là, elle est top. Donc ça c'est notre petit carnet de l'alphabet dans lequel effectivement j'ai mis plusieurs insectes. Alors pas de... Ah bah si, regarde, tu vois le A. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, il y a A. Ah, on vote pour le papillon. L'araignée sur un t-shirt. Ben oui, Cathy, elle a brodé la petite araignée sur un t-shirt pour soigner sa phobie des araignées et ça a l'air de marcher. Oh. Regardez, hop, un petit papillon, tout ça partout. Il y a des petites bêtes. Oh, la petite coccinelle. Oh. Moi, je les aime bien. Donc voilà, puis je trouve que sur un petit ouvrage, c'est toujours joli. Alors en fait, ce petit carnet, hein, c'est l'alphabet. Là, c'est pas un insecte, hein, mais on a fait un petit bout. Là, j'ai mes petites abeilles.
Bon, on va pas les passer toutes en revue, hein, mais voilà, on aime bien rajouter des petits animaux. Et donc, ici, on l'a brodé, donc c'est le M, vous voyez. Et donc, cette petite planche-là de dessin, elle vous permet, avec une majuscule, de broder un truc sympa, un petit prénom. De venir personnaliser un accessoire, par exemple. C'est ça, ouais. Salut les nouvelles, là, on est une petite soixantaine. Est-ce que vous avez des questions par rapport au carnet? Là, c'est le moment, hein. Vous nous dites s'il y a... Si vous avez des questions, bonjour Didier qui nous regarde. Didier brode. Alors, M comme moi, nous dit Marie. Et oui, vous êtes nombreuses, hein, avec le M. Bonjour, salut Annick. On était sur nos carnets de santé. C'est ça. Pourquoi les carnets de santé? Parce qu'il y a des petits insectes dessus. Oh non. Alors, ils sont où nos petits insectes? Ah mais ouais, j'en ai fait partout encore. Une petite libellule là aussi, elle est trop mignonne celle-là. Nos carnets de santé pour les enfants, super belles ces lettres. Et ben ouais Anne-Laure, c'est sympa, puis ça permet toujours de faire des petits cadeaux sympas. Ouais, là j'avais mis un petit papillon. Donc là on est sur le carnet de santé fille, hein, c'est ça? C'est protège carnet de santé, ça peut être garçon si on veut, c'est comme on veut, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs. Ouais, c'est ça. Celui-là il fait mixte, hein, tu vois, je trouve. Ouais. J'avais fait une petite coccinelle là. Un jour je te montrerai le protège carnet de santé de Marcel. Ah ouais, avec plaisir. Il est rose fluo. Oh non. Oh non, mais toi alors. Et il était content, t'as jamais rien dit? Oui, mais jamais rien dit. Il était content, il avait une semaine quand ouais, il est ouais. C'est son petit gars. Vous voyez encore les petites coccinelles. Ils sont vraiment... Oh, la libellule aussi, j'avais oublié, avec un grand point de poste à l'intérieur. Ouais. Et oui, Sylvie, elle a la phobie des araignées. Ben Sylvie, il faut broder une petite araignée sur votre t-shirt. Ouais. Et donc ça, dans ces kits-là, c'est pile poil le format pour venir rentrer un carnet de santé d'enfants à l'intérieur. En Francia, es para el libreto de salud, hein, son dos modelos por los niños. Bonjour, on aimerait bien avoir un petit aperçu sur le chemin de table du printemps. Ah, Karine, oh, si vous saviez, là, j'ai brodé pendant 3 jours à la Bégude. On avance avec Brigitte, il est juste, mais trop... Trop, trop beau. Et mais on va attendre un peu quand même. Hein. C'est un peu tôt là. Hein. C'est ça. Déjà, vous allez voir, on a quand même des choses à vous montrer. Donc, on va pas tout montrer. Il faut garder un peu. C'est ça. Hablo del camiso, se dice. Hein, de camino de mesa de primavera. Hay una señora que pregunta de ver el proyecto, pero dijo que que es no es por el momento, hein, que por el fin del año. Del año. Ouais, mais je vous montrerai des petites choses de temps en temps, mais là c'est un peu tôt. Salut Martine Drancourt qui nous regarde. Alors là tu nous montres le petit porte-aiguille. El papillon, the butterfly, hein, c'est Mariposa. Ça. Mariposa. Mariposa on dit. Mariposa. Oh, en c'est trop joli. Oh, ouais. Ça, c'est pour ranger vos aiguilles. Hein? Et puis, vous pouvez mettre vos petites pochettes ici. C'est pour los agujas. Hein? Il est beau, celui-ci, t'as vu? Ouais. Point d'araignée, point de chaînette. Et point de bouclette. Et point de bouclette. Ça, c'est du débutant. Hein? Es un nivel para empezar. Voilà, Martine nous dit que c'est magnifique. Hein? Vous nous faites baver d'envie d'acheter le magasin. Bonjour d'Auvergne, Annick. Salut, salut. Alors, nos petites Salomé n'ont pas été épargnées. Eh ben ouais, c'est sympa, les petits insectes. Hein. Toi, t'as l'œil hein, de les avoir repérés. Hein. Les petits papillons. Ouais. Nathalie nous dit que le porte-aiguille, il est juste magnifique. Mais c'est sympa aussi de pouvoir vous les montrer comme ça, parce que ben, vous les voyez, c'est plus sympa que de les voir en photo. Puis pour celles d'entre vous qui ne vont pas sur les salons, vous les voyez. Salut Julie qui nous regarde. Vous avez vu les descriptifs là de Marion, elle bosse là en ce moment, on a fait plein de vidéos. Maintenant quand vous allez sur le site internet, il y a les petites vidéos, pas de tout mais en tout cas des nouveautés, et j'ai l'impression que vous appréciez pas mal hein, ça. Hablo de los videos en el la descripción de los nuevos modelos en la página web. Ahora puedes ver todo, explico lo que tú tienes en el kit y con grosso plano en todos los modelos. Tu comprends ce que je dis, ça va?
Voilà. Mais moi, je te comprends toujours. Ouais, c'est ça, ouais. regarde. Ça, c'est magnifique. Alors, ça, c'est l'arbre de vie d'été. Le dernier arbre de vie qui est sorti. Et alors, lui, il pullule de petits insectes un petit peu partout. Ouais. Il y en a partout. Il y en a de partout. Sauf que celui-ci, il a été brodé au Vietnam et elles n'ont pas respecté le volume des points de bourdon, tu vois. Il est moins joli que celui que j'ai fait. Même les remplissages. Ouais. Alors, bonjour du Saguenay. Ah, Québec, un petit 15 minutes. Eh bien, belle fourtado. Ça y est, j'ai les dates pour le Québec. On va les mettre... On va les mettre en ligne très rapidement. Alors, il y en a encore à préciser, mais c'est certain, je viens. Et il y aura des cours à Québec. Voilà, magnifique arbre de vie. Mercerie Colette nous regarde. Bonjour Mercerie Colette, super les vidéos. Mais on ne voit pas la référence pour le fil à crocheter pour le pochon de la mer. Alors, nous on ne l'a pas dans la boutique, mais c'est un fil Natura DMC coton. Et la référence, c'est la numéro 20. Voilà, et c'est en tout cas, c'est du coton qu'on crochette en numéro 3. Ouais, hein, c'est ça. Après, voilà. Vous pouvez faire avec vos petits restes de coton que vous avez à la maison. Le lac Saint-Jean, on a le Québec avec nous. Salut Nathalie. Lac Saint-Jean, ben alors, grosso modo, je vais aller donner des cours à Saint-Sauveur. Je vais aller donner des cours à Montréal, non, à Boucherville, chez Raoul Véna. Chez Wool Emporium à côté d'Ottawa. Je vais aller chez Métiers et Traditions, c'est pas très loin de Montréal aussi. Et je vais aller à Québec. Et je crois que c'est déjà pas mal hein, tout ça. De hein. toute façon, là, on fait le point avec Christelle sur les dates cette fin de semaine. Et je mets tout ça au plus vite sur le site internet. J'ai cher à avoir le temps de le faire avant de partir. Alors, j'attends encore deux confirmations. Mais, enfin, c'est confirmé, mais voilà, pour la mise en ligne, ce sera peut-être pas en ligne tout de suite. Du coup, en rentrant de Nantes, alors. Ouais. Julie, elle nous dit que c'est magnifique, qu'elle a rejoint le groupe depuis peu, qu'elle aimerait apprendre la broderie. Julie, vous êtes au bon endroit pour apprendre à broder. Et alors, Julie, puisque vous débutez la broderie et que vous voulez apprendre, j'ai mis en ligne cette semaine une vidéo sur notre chaîne YouTube spéciale pour les débutants. Où Christelle, elle vous explique tout pour débuter la broderie. Et, et surtout, on sort un kit que j'espère aussi avoir le temps de mettre en ligne avant de partir à Nantes. C'est ça. Spécialement pour les débutantes. Où, du coup, on vous a rassemblé dans une petite trousse tous les accessoires pour débuter la broderie. Alors, Julie, je ne sais pas si vous êtes sur le groupe de vos ouvrages Un chat dans l'aiguille, mais il faut y aller. Vous allez avoir plein d'infos. Les dames vont vous répondre. Enfin, on a tout plein de kits qui sont spécialement adaptés pour vous. On a TV. Could you give a brief description in English of the three, please? Which three would you like to see? This one with all insects. This is the first, the summer three. Je vais prendre juste quelques minutes. So this is level three. It's advanced. Not for the beginner, advanced. On the kit, you have everything inside to make it, the printed fabric, the thread, and all explanation in French, English, and Spanish also. What would you like to know? You can buy it with the hoop or without the hoop, and made anything you want with the your work. Yes. And TV, do you have any question about, and where do you come from? Canada or another country? USA? On va voir si elle nous répond, cette dame. Voilà. Un sac beautiful, thank you, elle nous dit. Yes. Et ben voilà, c'est tout. Donc ça, c'est le... And this is the spring one. We have the four seasons. Alors, es el árbol de primavera. Es el primero que bordo. C'est le premier que j'ai brodé. Il est plus facile. Hein, il est plus accessible. Il est très accessible. Alors, la difficulté, ça va être l'ampleur du travail. Ouais. Mais après, tous les points, c'est que des points qui sont très faciles pour débuter celui-là. Ah, TV is come from Australia. Australia. Oui. And this one is for beginner. You have a lot of work, but the stitches are very easy. Este es para... Puedes empezar a bordar por principiante, pero hay mucho trabajo. Pero los puntos están muy fáciles. Hein? Ça y est, il faut qu'on reparle anglais maintenant, alors. Hein? Mmh.
Anne-Lise qui nous dit bientôt à Nantes. Bah ouais, c'est la semaine prochaine. Donc, alors celui-ci. Allez, en parlant de Nantes, justement. Hey, attention, tic-tac, la semaine prochaine, il sera alors, sur le site internet. On a fait un groupe. J'ai vu qu'on avait déjà 130 personnes, mais qu'on, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le groupe est fait. Donc, vous pouvez demander la demande d'adhésion. On va faire un petit post rapide, on va partager. Ouais. This is the next project for the SAR, Stitch Along. It will be available next Wednesday, c'est ça? Next week. Next week. Y es el próximo proyecto del SAL que será disponible viernes de la próxima semana. Donc un SAL en 5 étapes. 6 étapes. 6 étapes. 6 steps to do it with a live in Facebook. Je dis quoi? 6 steps. 6 steps or 6 etapas. I mix English and Spanish. And 6 etapas con live and Facebook. Hein. Et il y aura des points, il y aura des nouveaux points. Hein. J'ai mis du bourdon pour le coup. J'ai fait une petite combinaison avec un mélange de points ici. Il y a des points de poste là-dessous. Beaucoup de remplissage, plus de remplissage. Donc vous allez progresser hein, avec ce modèle. Sachez que je ferai les 4 saisons. Donc ça, c'est la première. Hein. Es el primero dibujo de sesiones. Es primavera. Sí. La bicicleta de primavera y después la primera la bicicleta de otoño de cada sesiones. Hein. This is the first one and after we will have the same for each seasons and et en français. Donc c'est le premier et on aura des SAL d'une série de 4 ouais, parce qu'il y aura les 4 saisons. Voilà. Et là c'est alors les insectes, c'est quoi les insectes là les insectes, les abeilles, les coccinelles. Ouais. Le petit là aussi, le papillon. Comment tu dis en espagnol, papillon? Vas-y. Mariposa. Oh, c'est trop beau, mariposa. Me falta el nombre mariposa. voilà, alors on nous dit trop beau, sera-t-il en easy? Valérie, je crois qu'on ne l'a pas non, prévu. Hein, il n'est pas prévu en easy custo. No easy custo, just... just on the fabrics. Yes. Yes, yes, yes. Apportez-vous à Nantes du tissu au mètre comme le tissu du chemin de table pour que je puisse broder des serviettes. Oui, Hélène, on aura des coupons de 50 cm sur 140 et des 1 mètre sur 140. Voilà. On n'en prend pas 10 000 non plus, mais on en prend. Et moi, j'ai une dernière chose à vous montrer. On ne l'avait pas prévu. Una última vez a ver. And the last thing I would like to show you. C'est top secret ça. On n'a pas commencé qu'on vous en montre un autre rapidement. Hein. Mais voilà, c'est la prochaine couronne. Ça va qu'il y a des petits insectes, je veux bien que tu l'aies. Bon, ça va, je suis sauvée. Hein. Es la próxima corona. And this is the next SAL for September, the end of September. Yes. Okay. And the kit will be available in August. Voilà. Et là, ben, on y va. Hein. On est en degré de difficulté supérieur avec des picots reprisés. Avec, les épis blés, ils sont juste. Ouais, j'ai mis du point de poste. Il y a beaucoup de points de bourdon dans les olives. Ça, ça m'a pris. Là, j'adore. C'est Brigitte qui m'a. On a fait ça. Et tu vois, c'est tout bête, des petits points de nœuds et tout. Hier, c'est magnifique. Donc, celle-ci, elle est prête pour cet été. Et ça y est, Christelle vient de finir de la broder. Donc, il nous reste pas mal de boulot encore à faire dessus. Là, ouais, c'est Patricia qui s'attaque au boulot. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. On vous a tout montré. Est-ce que vous avez 2-3 questions? Comme ça, on y répond vite avant de couper parce que nous, on va aller manger. If you have any question, it's now. Et si tu quieres preguntar, es ahora. Non, elle nous dit, c'est trop beau, c'est trop beau. Je prends la couronne d'été, nous dit Martine. Il faudra attendre un peu. Ce sera le projet de septembre-octobre, hein, c'est ça. C'est ça, le SAL de septembre-octobre. Et j'irai certainement un live en direct du Québec. Du Canada. Ouais, on verra. Et ben voilà, vous êtes 63. Bon salon, les filles. Ouais, nous, on a beaucoup de boulot. Allez, on va refaire une petite passe sur nos jolis tissus qui vont être bientôt disponibles. On a des lins en presque 280 grammes, je crois. Des lins 230. Derrière. Voilà, plus fin, là, un côté beaucoup plus rustique. Et puis nos petits coupons de gaz de coton, c'est trop, trop bon. Combien d'heures
de broderie par jour. J'ai mal à l'épaule, Marie, si vous saviez en ce moment. Beaucoup, elle vient beaucoup. De se faire gronder par son ophtalmo qui lui a dit qu'il faut qu'elle arrête. Son kiné, pardon. Mon kiné, il m'a dit faut fractionner là. Hein. on fait pas des journées de broderie. Il faut broder 2 heures et puis le lendemain 2 heures. Et là, j'ai dit mon pauvre, je crois que ça fait 10 jours que je brode tous les jours. Donc voilà. Allez, on vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Take care of yourself. Et un beso, ciudadé, et à jeudi prochain, le petit live, ce sera en direct du salon. Ouais, c'est ça. On verra si on a le temps ou pas, mais on fera de toute façon un petit coup.